À quelques encablures de l'île d'Achille, il vaut la peine de longer la côte par la péninsule de Corone, qui est bordée d'une dentelle de basses falaises, morcelée par l'érosion et dont la pente douce vient mourir dans la mer. Ici aussi, l'eau de mer transforme le roc en état de décomposition jusqu'à provoquer l'éboulement de blocs pouvant peser plusieurs dizaines de tonnes. La décomposition minérale de ces falaises lui confère une morphologie particulière et un paysage déchiqueté. Les strates fossilisées en décomposition sont mises à nu et façonnées par l'activité marine. Cette péninsule est une calotte rocheuse issue d'antiques dépôts alluvionnaires qui se sont déposés au cours de la préhistoire et qui ont été soulevés de manière irrégulière et bombée par des forces tectoniques pour ainsi accomplir ce chef-d'œuvre minéral. La péninsule de Corone est une presqu'île coincée entre l'île d'Achille et l'Irlande. Cette corniche naturelle offre une vue imprenable sur la baie de Clough et sur l'île de Clare. Cette zone pittoresque fait partie du Wild Atlantic Way, ce qui signifie le chemin sauvage de l'Atlantique. Le Wild Atlantic Way, long de 2600 km, serpente tout au long de la côte ouest irlandaise, de la péninsule d'Inishowen au nord jusqu'à Kinchall, dans le comté de Cork au sud. Ce parcours pittoresque est l'une des plus longues routes côtières définies au monde. L'itinéraire du Wild Atlantic Way dévoile du début à la fin les merveilles de la nature, la puissance de l'océan et de son empreinte sur tout le littoral, ainsi que de magnifiques campagnes dans toute leur diversité. De charmants villages et d'anciens monuments, dont leurs origines ont longtemps sombré dans les brumes de l'oubli, parsèment cette route et ses paysages bucoliques. Je vous laisse la surprise de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres épisodes. Et laissez-moi un petit pouce bleu si vous le voulez bien. Merci.